Ça va, Rosemary? Oh, bah ça va. Pas trop stressé. T'inquiète, on va l'avoir le permis. Faut juste faire gaffe aux feux rouges, aux priorités, tout ça. Quand je vais le passer, je suis sûr à 100% que je serai décoiffé. Genre, je sais pas pourquoi. Quand je conduis, je suis décoiffé à chaque fois. Oula, les piétons! Mais Cambi! Tu sais, Cambi, il y a une technique que j'ai découverte sur TikTok. En fait, quand tu mets un crayon entre tes dents et que tu bloques le crayon, en fait, ça permet de déstresser, en fait, d'enlever tout le stress. Tu le gardes 20 secondes entre les dents et apparemment ça marche. Et je trouve que vraiment ça marche, hein. C'est pas des conneries. Hein. Je suis en train d'essayer, bah ça fonctionne. Hein. Vous devriez tous mettre un crayon. Ça marche du feu de Dieu. Cambi, t'as mis combien de temps pour avoir ton permis de conduire? Beaucoup de temps. Mais en fait, t'as mis combien de temps en tout? Moi, je conduisais. Ah, t'as triché? Non. Mais quand tu t'es inscrit à l'auto-école et qu'au final tu l'as eu, 3 ans? En tout, t'as mis 3 ans pour avoir le permis. Ouais. Quand t'es arrivé à l'auto-école, ok. Mais t'avais déjà conduit avant, quoi. Il ne veut pas que je vais apprendre de conduire parce que je sais pourquoi. Parce qu'il a dit que si je vais avoir un mari, je vais se mettre à mon mari. C'est pour ça qu'il n'a pas tout comme ça. Je suis décoiffé. Rosemary? Oui. Tu t'es un petit peu entraînée à Massy? Oui. T'as roulé là-bas en leçon? Ok. Un queue de poisson, c'est quand tu te rabats vite en fait. Voilà. Oh là là. Du genre là, je le double par la droite et je monte devant lui tout de suite. C'est ça une queue de poisson. Oh là là. C'est dangereux, hein. Oui. Ça, c'est un institut pour la recherche contre le cancer. Rosemary, tu es la première à passer. Donc vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Regarde bien ce qui se passe sur la route et n'aie pas peur et aie confiance en toi. Et je crois en toi, vraiment. Merci beaucoup. Et toi aussi. Putain, mais il y a le crayon qui a gêné. Tu sais qu'il y a le crayon, il a gêné. Mon... Attends, tu sais, j'avais le crayon dans la main et le crayon, il a gêné. Putain, moi, je suis pas un bon vlogueur. Je suis un vlogueur de pacotille. Ta main n'est pas prestigieux du coup. Jamais. N'importe quoi. C'est n'importe quoi.